Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes un dimanche matin, il est à peu près 8h10, je viens de me lever et je vais tenter aujourd'hui de vous refilmer, je dis bien refilmer parce que la semaine dernière j'ai tourné une très belle vidéo, enfin j'avais eu plein d'idées, j'ai filmé plein de choses, des recettes, etc. IGBA, voilà, pour passer une journée dans mon assiette à indice glycémique bas. Et au visionnage des rushs que j'avais fait au moment de faire mon collage, le logiciel n'a pas voulu prendre certaines vidéos parce qu'effectivement il y avait beaucoup de ralentis sur certains trucs. En fait, j'avais touché à des choses sur mon téléphone et parce que je voulais que ça fasse un angle plus large. Et comme ça faisait un angle plus large, bah, je pense que ça ramait un peu. Et donc du coup mon logiciel n'a jamais voulu prendre ces vidéos-là. Donc je me suis dit au début c'est pas grave si j'en supprime quelques-unes, si c'est au moment où je vous filme les recettes ou des trucs comme ça, du moment où vous voyez vraiment mes assiettes. Sauf que là c'était vraiment à la fin, ça ne me prenait plus rien du tout. Vous aviez même plus le repas du soir et tout, enfin c'était n'importe quoi. Donc j'ai fait le deuil de cette journée et on recommence aujourd'hui. Donc je vais tenter de faire avec ce que j'ai, parce que je n'ai pas fait de course en conséquence. Donc je vais essayer de faire au plus simple, mais quand même un peu intéressant pour vous montrer un petit peu. Je vais essayer ce qu'est une journée dans mon assiette quand je mange à un indice glycémique bas. Voilà. Donc excusez-moi un petit peu si la journée n'est pas très intéressante et si les repas, les menus sont plutôt ordinaires, mais après c'est une journée comme une autre. C'est pas une journée exceptionnelle à IGBA, c'est une journée IGBA. Voilà, je vais commencer tout de suite par vous montrer mon petit déjeuner qui va être extrêmement simple et sans cuisine, contrairement à d'autres vidéos où effectivement je peux vous préparer des bowl cakes, des muffins, des pancakes, etc. Voilà, tout ça quand j'ai le temps. Là j'ai le temps, hein, je dirais, mais je n'ai pas préparé en amont. Donc là on va rester dans du IGBA classique, comme je vous ai dit. Donc je vais vous montrer ça de suite. Alors on va commencer par faire infuser ceci. Je vais déjà prendre, j'avais déjà mis à chauffer. Tac, dans ma petite boule à thé et ma petite cuillère pour remuer, voilà, pas plus haut que le bord. C'est ça, la semaine dernière, je vous avais montré des trucs plus sympas, je vous montrerai les prochaines fois. Donc je vais me faire infuser ça, le cadet, carcadet clafoutis. Je sais pas si je vais y arriver à une main à vous l'ouvrir, je ne pense pas. Hop. Même à deux mains, j'y arrive pas. Hop. Je sais pas si on voit. C'est vraiment du fruit desséché. Voilà, c'est vraiment juste une petite infusion de fruits. Donc ça ira très bien. C'est pas le bon sens. Donc, je vais laisser ça infuser tranquille. Vous voyez que ça colore déjà bien en rouge. Hop. Et donc je vais me préparer une petite pomme. Donc c'est une Pink Lady, voilà, que je vais couper en quartier pour que ce soit plus pratique à juste manger. Et je vais me faire des petites tartines comme ça, de biscottes pain grillé au blé complet avec du beurre, enfin de la margarine Prime Vert. Voilà, je vous montre ça quand c'est terminé. Et voilà mon petit déjeuner à indice glycémique ou indice glycémique bas. Donc ma petite tisane de fruits, ma petite pomme découpée, mes petites biscottes au blé complet avec de la margarine dessus. Il manque la dose de protéines, donc il aurait fallu que je prenne par exemple un fromage blanc 0% nature avec un édulcorant ou un, voilà, du miel éventuellement, du miel d'acacia mélangé pour voilà. Sauf que j'en ai pas envie. Et donc je ne vais pas me forcer. Et comme nous sommes dimanche matin et qu'il est déjà 8h30, je me dis on ne va pas déjeuner trop tard. Donc ma dose de protéines, je l'aurai plus tard. Et même si mon petit-déj est moins rassasiant que s'il y avait de la protéine, je vais manger dans pas longtemps. Donc ça va le faire. Bon appétit. Alors voilà ce que je vais me préparer ce midi. Je vais me découper une courgette en petits carrés ou je sais pas quoi que je vais faire un petit peu fondre. Ensuite je rajouterai des crevettes et après je rajouterai là du riz complet au safran. Je vais laisser tout ça un petit peu revenir et voilà ce que je vais manger ce midi. Je vous montrerai ce que je mange. Bah, je vous montrerai après quand ce sera dans l'assiette et puis je vous montrerai mon dessert une fois que j'aurai envie de prendre mon lycée. Oh. Coucou tout le monde, comme dirait Simon. Bon appétit! Bon appétit! À
Alors voilà ce que ça donne l'assiette une fois terminée, la tambouille mélangée. Donc les courgettes qui sont fondantes, les crevettes qui sont un petit peu croustillantes et le riz, voilà, au safran. Tout ça mélangé, je pense que je vais me régaler. Bon appétit! Tiens, moi, ce que je vais prendre en dessert, je vais prendre une tasse de ça. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du thé. J'ai mis à infuser une fleur de thé dans l'eau chaude. Bon, elle ne s'est pas très bien déployée. Un petit peu au niveau du verre, mais pas au niveau de la fleur en elle-même. Bon, ça a coloré un peu l'eau, donc ça aura un petit goût quand même. Donc, je vais me faire une petite tasse, une grosse tasse. C'est quand même une belle tasse hein, de ça. Et je vais manger donc 3 carrés de chocolat, comme ça, donc qui ne sont pas immenses, immenses, de cette tablette-ci, chocolat noir amande. Et c'est un chocolat que j'ai trouvé chez Lidl. C'est un chocolat noir à 64%, 74% cacao et 18% amande. Voilà. La compo est assez sympa et donc il n'était pas très cher. Et ma foi, je l'aime bien. Il est très bon. Voilà. Bon appétit à moi. Voilà, bon appétit tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui, petit chef? On va préparer des mini gâteaux. C'est des mini banana bread pour le goûter. Voilà, alors là, on a 40 grammes de beurre fondu. Nous, on n'a pas de beurre, on a de la margarine. Ensuite, on va ajouter. De toute façon, il faudra tout mélanger à un moment donné. Et Donc ça. là, nous avons de la farine complète, Et ben 150 moi, T150. je voudrais casser. Ça va pas être tout seul qui va Tu casser. voudras casser l'œuf? Il y a de la poudre d'amande, voilà, de la levure, tu vas chercher de la levure et un petit peu de sel. Doucement. Tiens, tu peux mettre dedans sans en mettre partout. Hop, et je peux mélanger. Voilà. Ensuite, je vais rajouter deux bananes écrasées. Wow, des bananes. J'ai écrasé les bananes. Quand j'étais jouée un petit peu. Quand? Ensuite, je vais rajouter une compote de pommes sans sucre ajouté. Oui, tu peux renverser? Bah, regarde si tu peux. Ah, maintenant, pourquoi tu fais ça? Lâche. Je voudrais que tu lâches, merci. J'avais prévu une petite cuillère exprès là, ça ne servait à rien de le plonger dans le truc. Hop, vas-y, mélange. Tu peux tenir. Hop. Ensuite, un fromage blanc 0% nature. Oui. Un fromage blanc. Bah oui. C'est Super U qui l'a acheté. On l'a acheté chez Super U, exactement. C'est maman et moi. Tac. Après un œuf. On va mettre un œuf, exactement. Et après un. C'est toi qui veux le casser ou c'est maman? C'est moi. C'est toi? Lâche ça. On peut faire. C'est moi qui fais? Oui. Voilà. On l'ouvre et on le fait tomber. Voilà. Boum. Je vais chercher un torchon. Tu veux que je mélange fort et après on rajoutera les pépites de chocolat? C'est très bien. Hein? Va mettre des pépites de chocolat. J'ai mis 2 cuillères à café de levure. Alors, on va faire un napolitain noir. On va faire des mini banana bread comme ça, mais en forme de rond. Maman, elle a pris un moule rond. Tiens. Et donc, je mets des pépites de chocolat, voilà, à 60%. Hop. Hop, on en mange une au passage. Je vais mélanger. Faut tenir avec ton autre main. Attends, je vais en manger. Il faut un peu un laisser pour le goûter, hein. Allez, mélange bien.
Regarde bien ce que tu fais. Voilà. Il y a toutes les pépites qui sont sur le côté, là. Attends, je vais en manger une. Je vais en manger une. Hop. Tu peux mettre dans un plat. Oui, je vais mettre dans les moules. On va mettre dans les moules et puis après, on mettra au four. Alors, on va déjà commencer à préparer le repas. Bonjour. Bonjour, rebonjour, parce qu'on les a déjà vus tout à l'heure. Alors, on va préparer deux cakes pour le repas de ce soir. Pour le repas de ce soir. Un cake au saumon. Et un cake au jambon. On commence par le saumon, d'accord? Ouais. Alors, on va remonter un petit peu. Oui. Qu'est-ce qu'on va mettre d'abord? Est-ce que ça te dit on met la farine? Oui, on va renverser. Voilà, un petit peu à côté, comme à chaque fois. Et on peut mettre deux farines. Il y avait deux farines dedans, mais il y a de la farine complète et il y a de la farine de pois chiche. Allez, tu peux mettre d'autres. Alors, on va mettre du lait. Tu veux mettre... Alors là, il y a un petit peu de lait. Hop, de lait végétal et de l'huile. Voilà. Oula. Je vais chercher un torchon, comme d'habitude. Ok. Mélange bien. Oui, on fait attention de ne pas faire tomber la spatule. On va mettre 3 œufs. Attends, on va mettre la levure. La levure. Un sachet de levure. Hop. C'est moi, je veux faire. Oui, c'est ça que tu fais, mais tu utilises tes deux mains, s'il te plaît. Ça va pas s'échapper, t'inquiète. Non, tu prends tes deux mains, tu tiens sur les côtés et tu renverses. Ok, c'est pas grave. Tac. La levure. Voilà, tu peux mélanger. Et on va mettre aussi des secondes. Là, tu tiens ça. C'est faire... maman qui casse ou c'est toi? C'est moi. Bon. Bah, fais avec tes deux mains. C'est pas assez fort. Oula, voilà, vas-y. Oula. C'est bien. Non, faut pas mettre la coquille dedans. Et je vais mettre aussi un autre. Là, j'ai mis un torchon pour s'essuyer les mains, si tu veux. Un deuxième. Voilà, voilà, voilà. Avec ton doigt, t'appuies. Hop là! Il faut faire doucement, Lancelot. On va manger de la croustille, là. Hop. Et après l'autre. À moi. Voilà. Doucement! Oh là là. Bon, les autres, c'est moi qui les fais, hein, parce que c'est bon. Hop. Vas-y, mélange. Ok. Tu veux essuyer tes mains avant? Non. Alors tiens, ça. Voilà, essuie tes mains. Vas-y, ouais. Mélange. Hop là. Je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ouais, un petit peu. Vas-y, mélange. Ok. C'est moi, je vais mettre du sel. Alors donne ta main. Un petit peu de sel. Bon, après, le poivre, je ne vais pas mettre dans ta main. On va faire comme ça. Voilà. Allez, mélange. Et voilà. Et donc là, on va mélanger. Il y a les olives, le saumon et en dessous, j'ai mis de la mimolette. Ok. Mélanger. Et tu peux mélanger. Tu tiens avec ton autre main, s'il te plaît. Et voilà. Arrête. Et voilà, j'ai bien mélangé les olives et les vermis. Donc maman, après, elle va mettre tout ça dans un moule. Mais là, maman, ça... Oui, bah, c'est un deuxième cake. T'inquiète. Donc là, hop, j'ai bien mélangé pour le cake au saumon, aux olives et à la mimolette. À la mimolette. Hop. Et on revient pour le cake au jambon. On va préparer encore un cake au jambon. Un cake au jambon. Voilà. On va mettre... Oh là là, Lancelot, attention, t'en mets partout, comme d'hab. Tu tiens avec ta main. Celle-là, c'est au bleu. On va faire au jambon. Voilà. De la levure. C'est moi qui mets? Oh oui.
Allez, mélange. Je vais mettre les œufs. Oui. Tu vois, maman, elle appuie pas comme une sauvage. Hop, on ouvre un petit peu. Un troisième, voilà. On essuie un peu tout ce qui a coulé. Tu veux mettre là l'huile et le... avec tes deux mains. Merci. C'est du lait. Il y a un petit peu du lait végétal, oui. Et puis de l'huile. Un petit peu du sel. Et on va mettre attends, aussi du poivre. Et on va mettre aussi du poivre. Voilà. Oui. Du poivre. Un petit peu du poivre. Pour donner un petit peu du goût. Hop. Regarde ce que tu fais. Au lieu de faire des grands gestes, à faire des sourires là. Et hop, là il y a des dés de jambon, des dés de fromage, je crois que c'est de l'emmental, et des olives. Tac. Des olives. Oui. Je vais reposer et... ça. Tu tiens bien pour pas que ça tombe, s'il te plaît. Ah, je vais manger un bout de jambon. Tu veux manger un bout de jambon? C'est bon? Oui. J'ai caché les olives. On laisse. Oui, elles sont cachées les olives. Ça, c'est pour le repas de ce soir. On va aller mettre tout ça au four et on montrera après comment. Comment on fait. Comment ça a rendu et comment c'est bon. Tu dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on a démoulé les gâteaux. Voilà. Est-ce que tu veux en goûter un et tu me dis s'ils sont bons. Ils sont bons. Bah, t'as pas goûté encore. Vas-y, goûte. C'est les gâteaux à la banane. Reste là pour nous dire s'ils sont bons ou pas. C'est les gâteaux à la banane. Allez, non, tu prends celui que t'as pris, Lancelot. Et les gâteaux au jambon sont... C'est pour ce soir, le gâteau au jambon. Ah oui. Super, c'est pas celui que t'as pris. Alors, regarde-moi. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà, on n'en saura pas plus. Donc, moi... Je vais en prendre aussi. Je prends lequel? Merci. Je vais aller faire ça avec une petite tasse de thé. Bon appétit. Alors, voilà ce que ça donne. Nos cakes sont comme ça. Donc, moi, je vais prendre du cake au poisson, bien évidemment. Je vais regarder... Attends. Toi, tu veux goûter au... Je sais pas si tu vas aimer. On va prendre plus une au milieu. Eh ben, moi, je veux celle du jambon. Tiens, oui, tiens, là, il y a un morceau de jambon, si tu veux. Moi, je vais prendre une grosse part comme ça. Voilà. Ben, moi, je, vais prendre une grosse... je verrai après. Pour... Je vais prendre une grosse part. Tu vas prendre une grosse part comme ça. Au jambon. Au jambon. Ah non, mais c'est pour manger à table, hein, Lancelot. Il y a ta pizza qui va bientôt arriver, la pizza d'hier soir. Bref, donc moi, je dis, je prenais ça et je... Donc, je vais sans doute en prendre une autre. Hein. Je vais prendre celle d'à côté, celle-là. Je l'aime bien. Voilà, donc je vais sans doute manger ça. On voit un petit peu le saumon, on voit les olives, on voit un petit peu là le fromage, la mimolette. Et une petite salade composée avec une endive, la moitié d'un avocat et la moitié d'une petite boîte de maïs. Voilà, et ça ce sont les comprimés de Jeep. Tac, bon appétit. On va nous régaler. On va se régaler, c'est bon le cake? Oui, il est bon le cake. On va s'asseoir. Alors, pour le dessert, je vais prendre un fromage blanc nature 0% et je vais rajouter quelques gouttes d'édulcorant liquide. Voilà pour le petit dessert. Bon appétit. Coucou, je viens clôturer là où j'ai commencé, c'est-à-dire dans le garage, puisque là-bas, ils sont en train de digérer devant les informations. Donc, je termine ma journée IGBA. J'espère avoir respecté le deal. Il y a peut-être, j'ai juste peut-être un doute sur le maïs, parce que le maïs, c'est quand même un légume avec du sucre pas mal dedans. Donc, je sais pas trop. Après, j'ai pris l'équivalent d'une petite poignée de maïs. Donc, même si c'est pas IGBA, ça va pas me tuer.
Je vais donc terminer ma soirée avec ma journée, ma soirée avec la dernière tasse de la fleur de thé, voilà. Donc je vais me poser, je vais boire ça tranquille, je vais donc faire mon petit collage de la journée. Je pense qu'au niveau des apports ça va, j'ai eu aussi bien voilà de la protéine, bon, sauf le matin au petit déjeuner, mais comme je dis, j'en ressentais pas le besoin et surtout pas l'envie. Donc comme je savais qu'après j'allais avoir de la protéine le midi et le soir, donc c'était une journée, je pense, plutôt bien équilibrée en fruits, en légumes, en féculents, en plaisir également, parce que j'ai eu quand même une très belle assiette ce midi. J'ai eu un beau petit goûter avec le banana bread, les mini banana bread. Alors, je me suis un peu foirée sur la recette parce que j'ai voulu doubler certains trucs et j'ai pas tout doublé, en fait. J'ai doublé les bananes parce que c'était juste pour 8 mini banana bread. Et moi, je voulais en faire plus pour déjà qu'on en mange au goûter et qu'on en ait encore pour demain matin au petit-déj et puis demain au goûter. Donc, bon, Simon, je sais qu'il n'en mange pas de ça, mais c'était pour Lancelot et pour moi. Donc, Lancelot vient d'en manger deux. Moi, j'en ai mangé deux là, ce soir. Donc, il en reste encore pour demain matin et pour demain à 4 heures. Donc, j'ai doublé un petit peu. Enfin, j'ai mis deux bananes au lieu d'une. Et au lieu de mettre 60 grammes de compote et 60 grammes de fromage blanc, j'ai mis un pot de 100 grammes pour chaque. Sauf que j'ai pas du tout doublé les solides, voilà, c'est-à-dire que j'ai laissé la dose de farine et la dose de poudre d'amande pour la petite dose en gros. Donc je me suis dit ça va jamais prendre, ça va jamais prendre, enfin forcément quand on cuit un truc, s'il y a plus de liquide que de solide, ça ne prend pas. Et bon, j'ai cuit un petit peu plus, histoire que ce soit un petit peu quand même croustillant sur le dessus, et après j'ai laissé un peu refroidir, et après j'ai mis au frigo, comme ça la banane a redurci un petit peu, et j'ai pu démouler assez facilement, donc c'est quelque chose que maintenant je conserve au frigo, et donc demain matin j'en prendrai au petit-déj, je pense que j'en prendrai 3 demain au petit-déj, avec un petit thé ou une petite tisane, je verrai bien, et une pomme, même si je sais que dans le banana bread il y a quand même beaucoup de bananes, mais je veux quand même avoir mon petit fruit séparé à côté. Donc voilà, ce soir ça a été aussi assez sympathique avec les cakes qu'on a mangés froids, parce qu'on les a fait dans l'après-midi. Je les ai fait cuire et puis je les ai laissés refroidir. C'était assez bon, j'ai trouvé. Après, j'ai mangé que les deux parts. Comme je vous ai dit, je verrai plus tard si j'en veux d'autres ou pas. Comme c'est de la farine complète, que j'ai mis de la farine complète et de la farine de pois chiche. Je ne sais pas si je l'ai dit au moment de la recette, j'ai mélangé de la farine de pois chiche et de la farine complète. Farine complète, c'est assez bourratif, donc ça m'a bien tenu au corps, donc voilà, j'ai mangé que mes deux parts, et donc il reste un gros morceau de cake, donc je verrai si j'en mange demain, si Lancelot veut emmener, si Simon veut emmener ça au travail, ou si du coup je lui garde pour mardi, parce qu'il sera en télétravail, voilà, donc j'ai passé une bonne journée, assez sympathique, à manger des petits trucs assez sympathiques, je me suis pas privée de rien, je me suis fait plaisir, j'ai trouvé que c'était des petites recettes assez... assez chouette et sympa à partager et toute simple. Surtout moi qui n'aime pas passer des heures en cuisine, je trouvais que c'était simple, gourmand et puis assez approprié pour la saison. Voilà, c'était des plats chauds, refroidis ou voilà, des trucs sympas. Bon, j'espère en tout cas que cette journée vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!